Bonjour, bonsoir, bienvenue. Bienvenue sur Into the Breach, bienvenue dans un nouveau stream. Et bienvenue dans Mes lunettes sont sales. Et ça c'est pas agréable. Bref, ce soir, on joue à Into the Breach qui est sorti aujourd'hui. On va voir si c'est intéressant ou si ça ne m'intéresse pas. Parfait. Et on va voir surtout si mon anglais est bon ou s'il est définitivement mauvais. Allez, petite lichée. Petite lichette plutôt. Et c'est parti. N'hésitez pas à me dire si le son est trop fort. C'est important. Et c'est parfait. Et je sais pas pourquoi je regardais ça. Voilà, j'étais en train de regarder les options du jeu. J'aime bien regarder les options d'un jeu. Alors le jeu est petit. Enfin, chez moi, il est dans un petit écran. Et je pense que c'est pour la. C'est parce que c'est comme ça. C'est rien de très grave. Est-ce que pour vous, il est flou ou pas? Je vais regarder sur mon retour de stream. Normalement, il doit pas être trop flou. Mais n'hésitez pas à me dire s'il est flou ou si vous avez l'impression de voir moins bien que d'habitude. Voilà. Comme toujours, n'hésitez pas à loot. C'est important. Loot, c'est il nous reste deux jours pour dépasser le record. Je sais plus comment on a. Enfin, ah si, je pourrais vérifier. Donc, je pourrais vérifier. 2 jours pour dépasser le record. On est bien. Allô, bonjour. Bonjour, Parsi. Et des bisous. Go. Alors, pour ceux, voilà, hop, attends. Merci Zouazou, merci beaucoup pour ton resub, un énorme merci. Par contre, je te prends toujours les chaussettes. Ne t'inquiète pas, je te le promets, Zouazou, que elles seront là avant. Avant le 7 mars. Attends. Parce que cette semaine, de toute façon, je voulais travailler sur quelque chose. Avant le 5 mars, il y aura des chaussettes, Monsieur Sapin, sur la boutique. Je le promets, c'est une promesse. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton sub. C'est très apprécié. Le son est fort dans mes oreilles et apparemment, y a pas d'histoire. Ok. Pas de soucis. Donc, on joue une équipe de 3 personnes, jusqu'à là, tout ce que j'avais. Et de faire un tweet avec mes belles chaussettes, et ça, c'est très important. J'espère qu'elles seront pas trop chères d'ailleurs. Mais franchement, si les petits sapins ça marche, on fait plein de trucs. Mais ça sera des sapins personnalisés. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir un premier acheteur. Cette promesse d'achat me fait chaud au cœur, sache-le. Du coup, comment ça fonctionne? Donc Into the Breach, hein, c'est créé par les personnes de... Enfin, personnes qui ont créé FTL. Question technique, quand tu streams, à quel point tu sollicites ton, le GPU quand... Quel point tu sollicites plus le GPU quand tu joues... Alors, la fin de ta phrase, mon Luc, que quand tu joues sans streamer. Alors, pour t'expliquer, mon Luc, très facilement... je stresse le GPU presque au double en général. Presque au double de la capacité. Par exemple, là, le jeu ne prend que 3,6% de mon CPU. Bon, c'est un petit jeu, mais généralement, par exemple, un jeu comme Kingdom Come, ça prend 30 à 40%. Et bien, mon processeur avec XSplit souvent est pris entre 20 et 30%. De CPU et mon GPU est souvent pas pris en compte sauf quand j'encode avec et quand j'encode avec généralement c'est une puce qui est dédiée donc c'est pas rien de très grave. Voilà donc le GPU rentre pas trop en compte si tu streams pas, si tu encodes pas avec le GPU. Voilà, je sais pas si moi du coup mon explication a été claire. Merci Uris pour ton pour ce petit clip
Comme ça, au moins, si j'ai menti, on saura où me trouver. Et merci pour le loot, ce Random Lurker, sa copie MV Craignato, bien entendu. Bien entendu. C'est important. Donc oui, on a trois personnes. Vous allez voir, c'est un... Alors pour moi, c'est un jeu de... C'est un jeu de stratégie rapide. Voilà. Vous allez voir pourquoi. Alors à chaque fois, on me dit, ouais, non, c'est pas du tout ça. Mais pourtant, pour moi, c'est un jeu de stratégie rapide. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est, machin, normal, easy? On peut pas... Si on peut jouer en hard. Design to provide an insanity challenge to new, ok. Reduce enemy spawn rates. Score is reduced by 50%. Ok, j'ai hâte de te faire. Donc ça... Ok, c'est des achievements. Ouais, on peut changer les couleurs. Non. On peut les renommer. Trop bien. Ok. Prime make class. Make class determine which weapons it can use without power penalty. Ok. Bon, par l'instant, j'ai pas compris. Change squad. Ok. Bon, bah pour l'instant, on va jouer en mode normal. Hein, parce que. Voilà. Et j'imagine que pareil, ok. Ok, ok. Into Chain Squad, machin. On y va. On y va. C'est stylé. Et il l'a vite supprimé le clip en douce. Ah bon? Pourquoi il s'est trompé? Je me suis trompé sur le loot. Ah bah c'est pas grave. Oh Titou, j'ai pensé à toi, j'ai regardé le jeu de combat jeu de combat auquel tu jouais. Oh, il est trop stylé. Il est trop stylé. Il est vraiment trop stylé. Alors, This Museum is Island, Required All Earth, ok. Before the Ocean Rose, ok, ok, bon. Wipe. Ocean Rose and nearly wipe out humanity, ok. C'est quoi The Ocean Rose? Ocean Rose. C'est pas, on verra, mais il y a des méchants. Ce jeu, en fait, de loin, sans que savoir l'histoire, le lore, tout ça, me faisait penser à... Ah, c'est quoi ce film, déjà? Le film avec les mechas. Pacific Rim. Parce qu'il y a des gros monstres. Alors oui, y a pas, y a, et t'as des gros robots. Et du coup, c'est un peu Pacific Rim, le jeu. Voilà, voilà. C'est stylé. Oh, il y a du texte. Attends, est-ce que tu me laisses lire? C'est bon, tu me laisses lire. Parfait. Je peux boire mon café. Mais du coup, c'est habituel d'encoder avec le CPU? Oui, mon mec. Oui. Tout simplement parce que l'encodage en H264 via le CPU, c'est généralement comme ça que tu le fais. Merci pour le loose, Gridou. Des bisous à toi. Mais voilà. Voilà, voilà. Ça parle de Pacific Rim, je vais appeler Kerr. Ah, mais Kerr, on pense, hein. Des bisous à Kerr, si tu nous entends. Je bois à ta santé. Allez, du lore. Donc, The Vec, ça doit être les méchants. Donc apparemment la Terre a été détruite et les méchants c'est les Vec et nous on doit sûrement protéger ce qu'il en reste. Radio Combat Simulation available to get the new commander. Ok, would you like to launch a simulation? Oui, ça doit être le tutoriel pour balancer la simulation. Qui n'est pas un vrai combat. Donc on a une barre de power. C'est un mec qui me demandait des conseils pour le streaming, je ne sais pas plus que ça, bah voilà. Bah il peut, s'il a des questions plus précises, qu'il n'hésite pas à venir, ça sera avec plaisir que je lui répondrai. Avec plaisir, avec grand plaisir. Et voilà. Ok. Donc, on a une barre de power, si... Qui est une barre de vie, j'imagine. Si elle est réduite à 0, tu meurs, donc ça doit être une barre de vie... is forewarned. Ok, ça veut dire que ça doit vouloir dire que c'est qu'il nous dit où elle est. Next turn is one will attack. Ok, elle est prévenue. Forewarned, c'est prévenu parce que warned c'est je vois le verbe donc je l'ai. Ok. Apparemment, tu vas faire la traduction FR. J'aimerais bien proposer. En fait, salut Lord Chaos. J'aimerais en fait un jour travailler sur une traduction d'un jeu.
Alors un jeu là, il a pas l'air d'être il a pas l'air d'avoir énormément de texte, ça se trouve, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien travailler sur la traduction d'un jeu, mais travailler pas que sur la traduction littérale, mais travailler sur l'adaptation, un peu comment ça fonctionne. Donc bon, moi je te dis j'aimerais faire ça, mais si ça se trouve, il faut. Oula, c'est super compliqué et finalement, bah, je vais essayer une ou deux fois et voir que c'est beaucoup trop la merde. Donc oui, donc tu vois où l'ennemi attaque. Ça c'est mon unité. Kanpei, ok. Clique sur the mec et move it closer to enemy and punch him. Je punch ce monsieur. Ok, the number of keys will also work as a shortcut. Ouais, donc si j'appuie sur 1, ok, ça me dit que. Voilà, je punch l'ennemi, je lui tape 2 et je le pousse. Et là, l'ennemi va attaquer devant. Ça, j'ai déjà vu, c'est celle d'elle, donc tout va bien. Faire rempart pour commencer. Oh! Très drôle! Quand adaptation dans un jeu 2D. Alors, attends, qu'est-ce que t'as dit, Homo Striver? Pacific Rim, The Game. Mais je viens de dire ça! C'est magnifique, Mostrif, nous sommes en symbiose. C'est beau, putain. Alors, The Mech Punch. Unity Punch, you can save a building from enemy attack. Ok. Alors, when aiming a weapon, control exactly. Ok, that will happen. Pushing. Damage. Push plus damage. Ok. Bon, c'est simple, ouais, ça, on va dire que pas besoin. Et je end mon turn. Prends un manteau, calme-toi. When all your mechs have nothing less than to press this button to end this turn. Parfait. L'ennemi, du coup, va attaquer, mais à côté. C'est trop stylé quand ils sortent les. La machin. Je shoot projectile. Ok. Bah, de toute façon, c'est marqué normalement. Quand tu sélectionnes. Voilà, c'est marqué. Hop, hop, projectile, poche. Et attends, il me dit. Waouh! Et il peut viser là. Ok. Salut, Carrie! Et comment le jeu pour le moment? Eh bien, je viens de jouer. J'y joue depuis exactement 10 minutes. Un sale copieur de Mintos qui copie MV, qui copie la Terre entière. Et faites gaffe, si je compte. Faites gaffe, je arrive à copier les autres humains sur Terre en respirant. Eh ouais, mon gars. Donc si je me mets là, je peux tirer sur tout le long, hein, on est d'accord. Hein. Non? Si je clique sur l'attaque, ça va me dire comment je peux attaquer. Ok. Et ça, c'est quoi, mec repair? Ah, je peux repair. Donc si je me mets là et j'appuie là, je l'attaque. Ah non, c'est pas sur toute la. C'est pas sur toute la map quand même, hein. Ok, et là je le tue parce qu'il avait qu'une barre de vie. Parfait. Et je peux. D'accord, action. Ah, c'est sympa ça. Si tu veux arrêter ton tour, mais que t'as encore un mecha qui peut faire une action, ça te le dit. Et comme lui il est là, bon bah voilà. Hop, je me mets là. Bouf, dans sa passe. Et il meurt. Parfait. Et je peux end non. Pour l'instant, c'est simple. Pour l'instant, la musique, c'est vent.wave. Donc là, il va m'expliquer qu'on peut jeter les ennemis dans l'eau. J'imagine. Alors, weapon can shoot over obstacle. Ok. Donc oui, bon, je pense pas que ça soit très compliqué à expliquer. Par contre, ouais. Ok, là je peux. Donc là, si je tire sur cet ennemi, le jeu m'explique en même temps que je peux pousser les ennemis dans l'eau et que dans l'eau, les ennemis meurent. Paf. Et si je me mets. Non, si je me mets. Il n'y a qu'un point de vie. Hop, si je me mets là et que je lui tape dessus, parfait. Tu découvriras en même temps. C'est parfait. Si tu as des questions, n'hésite pas, Ikari, ça sera avec plaisir que je te répondrai. Si je peux te répondre. Bien entendu. Je vais me mettre là. Ouais, il a traversé à travers l'eau. Burning unit, the unit fell into the water, killing it instantaneously. Parfait. The steel heavy units can act, they will lose their turn, don't ask again, si, ask moi again. Salut Green Silvo, comment vas-tu? J'ai compris ça. Ok.
Et ça, c'est quoi? Par contre, y a pas de musique? Oh, t'es sympa, mais y a pas de musique là. Alors, completing mission, every mission where you win by defeating the Vec or fighting them until they retreat. Et là, ils se cassent dans 4 tours. Ok. On a un bonus, mission, ok, un objectif secondaire. D'accord. Et ça, c'est quoi? Attack order, chose order, that action will happen during. Ok, hotkey left. Ouais, mais c'est à dire. Ah! D'accord, donc lui il va attaquer en premier, lui après. Pourquoi comme ça? C'est un peu bizarre. Ouais, je pense qu'il y aura la musique quand tu finis le tuto. Hey! Ok, units. Ah, il n'y a pas de. J'ai pas de. D'accord, il n'y a pas de pilote pour l'instant. Ok, donc on va voir si j'ai compris. Là, donc lui ça va être chiant. Il attaque personne lui. Si, il attaque moi. D'accord, bon, en fait j'ai juste à me pousser. Lui je pourrais pas le pousser dans l'eau. Donc, ça va être chiant en fait. Parce que là. Hop. Ça va le pousser en bas. Ça va... Non, ça va pas le pousser en bas en fait. Lui ça va juste lui faire des dégâts. Donc j'ai fait de la merde. Je vais le pousser de façon à droite. Ouais, voilà, ça va juste le. Il va faire quoi lui? Attaquer là. Bon bah je pousse. Pas. Ah, ça lui fait 2. Ah bah ça va. Voilà. Et là je me mets là. Je fais boule. Comme ça il attaquera la montagne. Et là bah finalement tout va bien se passer. Parfait. Quand tu lis pas, pas de musique. Ça doit être ça ouais. C'est comme FTL, qui est comme Destiny, qui est comme Stargate, qui est comme Star Wars, qui est comme Stargate. Oui, waouh, t'as maintenant un pseudo avec plein de petits sapins, c'est trop stylé. N'hésitez pas à looter avec des petits sapins. J'adore vos pseudos petits sapins. On continue? C'est parti. Ok. Et donc ils attaquent dans le vent. Ok. Non mais en fait c'est trop facile alors. Parce qu'en fait j'ai que à les pousser tout le temps. Parce que lui il m'attaque là. Il m'attaque là. Par contre c'est un peu chiant cette unité hein. Si t'as pas. Cette unité elle a l'air d'être super contextuelle. Bah oui, en plus elle attaque. Pff, oh là là. Ça me fait penser aux artilleurs dans Advance Wars. C'était super chiant. Parce que c'était super utile quand tu avais des autres unités avec toi. Mais quand cette unité est seule, donc là comme là, bah c'est casse-couille quoi. Du coup, il faudrait que je le pousse. Ah bah techniquement je peux le pousser. Si je me mets là et que je tire ici, ça va le pousser. Ah, on va essayer, tiens. On va essayer, tiens. Si je fais ça, ah oui ça le pousse. Merci Vigito, merci pour ton reste, des bisous à toi. Merci énormément. Ou les archers dans FE, ça j'ai pas assez. J'ai pas assez joué à FE pour dire. Donc là je vais le tuer, lui je me pousse. Et je lui mets un petit coup. Hop. Et lui je me mets là, il va mourir parce que. Paf. Et j'ai déjà tiré, enter. Parfait. Ah il va quand même tirer. Parce que, d'accord, ok, il est quand même tiré. C'est quand tu vas, c'est SF7. Pousse pas, tire dessus. Ouais, mais là c'était pour éviter qu'il touche chat. Parce que le but quand même c'est d'éviter de qu'il le touche. J'avais lu Into the Bleach. Et ouais, mais c'est pas ça. Ouais, Advance Wars, très très bon jeu. Mais peut-être très bon jeu de par la nostalgie. Et ça, vous savez, la nostalgie. Voilà. Alors, le mec will automatic repair all the damage after battle. Il se mec reduce. The... Ouais. The pilot die. Ouais. And the mec is for the rest of the. Ok. Oui, bon, bah. Ça, y a pas de souci. Oui, il attaque. Ok. Je vais pouvoir tuer les ennemis assez facilement, je pense. À moins que je sois mauvais. Bah là il sert à rien lui. Super. Il a combien de points de vie hein? Non, on va continuer de le pousser hein. On peut emmerder hein. Parce que là si je me mets là, lui je le tue. Et lui on va juste le pousser. Je vais le faire venir là.
Hop. Ah merde. Alors, est-ce que... Attends, est-ce que... Si je tire là... Ah oui, ça le pousse de l'autre côté. Et là, après, lui, il sera là. Oui, bah c'est easy. Bim. Bif, paf, pouf. Pif, paf, pouf. Ce jeu est vraiment trop bien. Oui. Sorti récemment et je trouve toujours aussi bon. C'est pas que la nostalgie pour moi en tout cas. Oui, attention, attention. Bien sûr, je ne dis pas que ce n'est que de la nostalgie. Je dis juste que, en gros, le problème, c'est que c'est super lent à jouer. Ah, tu as pas le Discord. Zouzou, c'est du pour le Discord. Tiens, regarde, je te le passe. C'est très simple. C'est un petit, hop, un petit. Point d'exclamation network et tu as le YouTube, le Discord et l'extension et le Twitter. N'hésite pas à venir, hop, et je le tue. Voilà. Bonjour, c'est ici le nouveau Fire Emblem. Oui. Et je les ai tués tout. Ah, j'ai tué tout le monde. C'est ça. Parfait. Par contre, mettez-moi de la musique. Ok. Donc, Damien Superville Connect Every Corporate Island. The Vec cause damage before you arrived. Ok. Ok. Alors, encore de l'anglais, beaucoup trop d'anglais. To do every mission on the island, so choose carefully. D'accord, donc on peut pas tout faire, mais il faut choisir les missions. Par rapport, je pense aux icônes. Power cause you to upgrade your mech. Crit power restore et corp. Ok. Mission with more potential rewards will have additional danger. Ok, parfait. D'accord. Oui, mais attends, il y avait des icônes. Attends. Pourquoi il y avait des icônes il y a 10 secondes et là les icônes ont disparu? Donc là, protect the power generator, defend the satellite launch, anglais mieux, ouais, ça serait vachement bien. Je peux t'aider pour l'anglais, mission, ça veut dire mission. Merci! Tu trouves ça lent, plus d'autres que notre tactical? Non, les tacticals de base, je les trouve lents, mais en fait, ce que j'aimerais dans les tacticals, c'est un peu la même chose qu'on a eu cet été. C'est cet été? Non, c'est l'été dernier plutôt? Je sais plus c'était quand. Mais c'était peut-être pas cet été, c'était vers la fin de l'été. Ce qu'on a eu avec Mario Rabbids, c'est-à-dire avec Lapin Crétin, c'est-à-dire un jeu de stratégie où en un ou deux tours tu peux tout changer. Voilà. C'est ça que j'aimerais bien. Le jeu qui va sortir, la Dungeon of Zar, qui avait l'air, quand je l'avais essayé, être un jeu de stratégie PVP. Mais super rapide. Ou bah t'as pas trop le temps d'attendre, surtout que t'as 60 secondes pour faire tes tours et que t'as 3-4 personnages. C'est ça que je voulais jouer. F15, c'est un tactical dans un sens. Ah, c'est compliqué là. C'est une autre. Des bisous. Et salut Chatel. Alors là, il faut que je choisisse. Soit ça. Donner qui ce volatile là. Pourquoi? Je peux le tuer. Ok, tiens, je sais ça. Alors voilà map. The Volatile detonate on death. Ah ok, faut pas en tuer. Ouah, c'est chaud. Bon, on va essayer. Et après je pose. Ok. Bah là et puis voilà. Est-ce que je peux choisir? Ouais, je peux rechoisir. Là, je vais mettre plutôt près. Voilà. C'est mieux. Bon, est-ce que je vais m'en sortir? On va voir. Mais je pense que le jeu, clairement, on va le renommer. On va clairement le renommer Pacific Rim. Hop. Donc, c'est où les power générateurs? Ça doit être ça, là. Ça doit être ce truc. Emerging Enemies. Ok, oui, ça, je savais. Volatile. Leur bonus objectif, c'est not to let this Vec die. Parce que celui-ci explose.
Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est que lui. Je peux tuer tous les autres, mais pas lui. Et il fait quoi comme... Est-ce qu'on peut voir... il a quoi comme attaque? Ok. Explosive decay, explode on death, dealing one damage, ok. Ah oui, non, c'est lui qui explose. Ok, et lui, il fait... The target, preparing to stab it. Ok. Advanced specific rim wars. Ah, peut-être pas. Si tu fais un tactical d'un tour, l'autre peut partir en couille. T'as bien, c'est vraiment, hein. Y a pas de tour ennemi, tous les tours bougent en même temps. Si tu fais pas gaffe, quand t'appuies sur le bouton, tu peux tout perdre très vite. Mais c'est sorti sur quoi Mais oui, c'est Pacific Rim, là. C'est Pacific Rim, le jeu. Bon. On est d'accord que lui, pousse pas. Parfait. Donc là, je suis pas dans la merde. Ah. D'accord, donc c'est génial. Je suis déjà... Et si je le pousse? Tiens, il mousse over statue icon, bump button left, to investigate. Ok. Let me move, you can still attack, massive units can walk in water, but water prevent shooting, forest, time and light and fire when damage. Ok. Ok, ok, bon. Je pense que si je le pousse là, il m'attaque plus quoi, techniquement. Normalement, il m'attaque plus. Ok, ça m'enlève le... D'accord, il va attaquer là. D'accord. Comment on sait... D'accord, donc si je me mets... Ah! Et comment on sait le rayon d'action de cet ennemi là? Parce qu'il semblerait qu'il va toucher... Il y a combien? Un de rayon d'action? Ou il y en a plusieurs, je sais pas. Ah ah! On ne sait pas. Ce sera une surprise. Un tactical de 80. Pardon. Merde. Ah, mais j'ai pas pour le pousser. Oh, merde! Ça tire à l'infini dans une direction. Bah, c'est de la merde! On arrive, je suis obligé de me faire toucher du coup. Le jeu vidéo! Bah, ça commence mal. Parce que là, quoi qu'il se passe. Lui, ah si, il va toucher, il va taper le mec à côté. Si, ça le pousse quand même, d'accord. Cool. J'aurais dû l'utiliser, bah, je pouvais pas l'utiliser vu qu'il m'avait déjà, il m'avait déjà chopé. Donc si je fais ça, ouais. Ah, c'est dommage, j'aurais pu. Ah non, en fait, si j'avais tiré là, si j'avais tiré ici, il serait poussé par là-bas. Donc en fait, je suis juste nul. Ouais, ça va, c'est bon. Right click Q to disarm, ok. Ok, ok. Ouais, ce n'est pas grave. Il faut apprendre avec les erreurs. Les erreurs, c'est un peu important. Qu'est-ce que la lecture instantanée? La lecture instantanée, c'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que j'arrive, je vois le texte, et en fait, quand mes yeux passent dessus, j'ai déjà lu. Et ouais, mon gars. Hop. Ah, ça lit pas le... Ça passe pas les loots? Monsieur. Allez, go. Dans tes tables, dans une distance fixe, tu pouvais le faire reculer. Lui? Tu peux... Oui, tu peux, mais ça c'est pas une fois pendant une partie. Alors, building damage, ok. Problem goal, tu prends... Ok, oui, on s'en fout. On s'en fout, de toute façon, on essaye d'avancer. Ok. Ah mais là c'est chiant. Deux secondes, en un tour j'ai l'impression que je suis déjà dans la merde. Alors donc là, si je tire là, ça les pousse tous les deux. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Est-ce que je suis intelligent? Ça, c'est la question. J'ai envie de te dire. Forest, ok. Turn to fire.
Ouais. Donc là, c'est plutôt pas mal ce que j'ai fait. Comme si j'avais bien joué. Comme si. Là, lui va m'attaquer là. Mais ça va obligatoirement. Assassin! Ah, mais là, c'est nul. Et ça pousse. Alors, est-ce que si je me mets là, est-ce que pousser l'ennemi, ça va pousser l'autre aussi? Parce que si ça pousse l'autre. Ah, bah non. Attends, je suis pas bougé. Ah, mais je suis encore bloqué. C'est lui qui m'a défoncé. Putain, mais ils sont chiants ces ennemis de merde. Je rejoins TF1. Ouais. Vite. Bah non, le monstre bloque. Bah c'est nul. Donc lui en fait faut que je le tape. Ah mais il va mourir. Ah mais du coup j'aurais pas dû le pousser. Ah mais j'ai fait de la merde. Paf. Ok ouais, deal one damage. Ok. Ah mais là il va toucher. Oh, j'aurais peut-être tellement pas dû faire ça. C'est pas grave. Vous savez, il faut des pertes humaines. Il faut des pertes humaines pour que les gentils gagnent. Vous savez, dans les films d'action, il y a toujours des pertes humaines. Parce que sinon les gentils ne gagneraient pas. Pardon. Ouais, j'ai vu que je suis pas. Pour l'instant, mes bonus objectifs marchent. Hein. Oh. je vais prendre cher là. Oh, alors c'est un puzzle game, je suis assez d'accord, mais en fait si tu fais une erreur, le puzzle game se change en un truc bizarre. Alors, si je tire. Si je tire là, lui il tape l'autre et comme ça il touche pas le power grid. Ah, il brûle des forêts, hein. C'est horrible. Ok, peut-être ça va le pousser. Est-ce que ça pousse? Non, ça pousse pas. Donc ils vont encore attaquer ça. Mais oui, mais il faut des. Faut que ça touche. Comme ça. Hop. Moi je peux bouger. Parfait. Je peux aller là et je peux taper ce truc. C'est quoi ce petit jeu 1-2? C'est Into the Breach. C'est fait par les mecs de. Enfin le mec ou les qui ont créé FTL. Qui a créé FTL. Comment tu m'exploses, c'est un viewer qui livre. Mais non, tu fais ça parce que t'es énervé. Paf. Et lui, il est pas bloqué, non. Il est pas bloqué. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux me mettre là pour que l'autre vienne pas. Et de toute manière, bah ça va exploser. Et puis ça doit exploser, hein. C'est tout. Mais il peut encore attaquer. C'est gratuit, autant qu'il attaque. C'est comme Mario exactement. Allez, tu paf, c'est pas grave. Pas de soucis. J'ai bloqué l'ennemi. Ok. Ah. Donc victory in one turn. Donc là, c'est un peu compliqué. Moi j'ai pas envie qu'il meure. Parce que si je tire sur mon unité, ça va pousser les deux. Mais ils vont quand même m'attaquer. Vu que c'est des. Ouais. En fait, faudrait que je pousse mon unité dans le feu. Oui, mais ça c'est du métal, ça brûle pas. Ça serait pas arrivé sur FTL. Ouais, bah je joue pas FTL. Donc... C'est comme FE. Et quand tu veux faire une erreur, tu peux retaper 45 minutes. Ouais, quand tu fais une erreur, tu peux te retaper 45 minutes de combat. C'est ça qui est bien. Parce que là, je pense. Ah, ouais, donc il faut absolument sauver ce truc là. Ah.
Donc lui il va prendre un dégât. Quoi qu'il se passe. Ouais, ils vont juste avoir chaud. Sérieux? Mais tout? Ils étaient où tes parents? Ouais. Mais du coup là ils attendent devant? Pas dehors? Dans le ressenti. Ah ouais? Ouais mais parce que genre les gendarmes ils ont fait en sorte de... Ouais. Ok, grosse ambiance. Mais moi je peux bouger en fait, donc je m'en fous. Ah mais ils vont se toucher tous les deux. Non mais attends, mais je suis con, je peux bouger. Donc il veut, eux, ils vont se... Voilà. Mais en fait c'est easy. C'est easy. Et là... Du coup si je me mets là... Hop, et que je fais ça et que je tape là. Paf. Moi du coup je peux sortir de ma web. Je peux me mettre là. Lui mettre un coup de poing. Et bim. Eh. On dirait pas mais tu vas me dire que j'ai poussé lui pour que l'Otis le prenne. C'est pas grave mais enfin si c'est grave du coup. Ah, va falloir que je reset le tour. Dommage, j'ai été intelligent, mais pendant 10 secondes. On va recommencer, hein. Je peux le faire. C'était pour vous montrer qu'on peut reset les tours. C'est super important. Alors. Donc, il faudrait le pousser de l'autre côté, en fait, lui. Il faudrait le pousser de l'autre côté. Ouais. Ou alors brûler ce truc. Ah c'est... En fait là c'est échec et mat, non? C'est échec et mat. Comment je fais? Parce que je peux me pousser avec ça. Bon ça c'est pas grave. Lui je peux le pousser. Pour qu'il aille là et qu'il tire ça. Mais est-ce qu'on reprend de la vie entre les... C'est Athos. Est-ce qu'on reprend de la vie entre les combats? On ne sait pas. Et ça, le jeu nous le dit pas. Donc malheureusement... Ah. Donc là, je viens de faire une connerie. Alors là, je viens de faire une bêtise. Parce que comme j'ai cliqué... C'est ça la lecture instantanée aussi. Malheureusement, c'est vachement bien. Mais en même temps, c'est de la merde. Ça change des streams où j'ai regardé sur le jeu. C'est la seule fois où les civils, ils sont dégoûtés de voir les... Non mais s'il vous plaît. Oh là là. Donc, attends, si, je peux peut-être faire quelque chose. Non, regarde, c'est bon. Je m'en sors. Bim. Là, ça brûle. Et après, il va mourir par le feu. Donc en fait, sans le vouloir, j'ai réussi. Putain, c'est beau quand même. Tu vois, c'est ça, bien joué. C'est des petites choses, comme ça. Et d'ailleurs, je me demande... Non, je... Parce que là, il a un PV. Si je tape... Ouais. Je peux me mettre là... On s'en fout, de toute façon, ils vont se tirer dessus. Moi, j'aimerais juste pousser lui, mais on peut pas. Bon, je vais me mettre là. Eux, ils vont se tirer dessus. Ah non, lui, il va me taper. Il va taper qui, lui? J'arrive pas à savoir si les deux vont se tirer dessus. Il va taper qui? Lui, il va taper lui. Lui, il va taper lui, et lui, il va taper lui. D'accord, donc moi, c'est bon. Moi, faut pas que je fasse rien, en fait. Faut que j'attende. Et lui, il peut pas se réparer? Repair, un fire, ok. Bah voilà. Ah, je peux aussi me... Oh, c'est trop stylé. Ah bah voilà, mais on me le dit pas aussi.
Le jeu vidéo me dit rien. Donc c'est bon. Attends, parce que si l'autre il le pousse. Non, moi je veux qu'il se tire dessus, c'est bon. C'est bon. J'ai bien joué. J'ai bien joué. Pas grave. Voilà. Tiens, cette future attaque 78%. Et j'ai eu les deux. J'ai regagné un truc. Alors, il y a Chrono Trigger sur Steam. Ok, super. Partage la version mobile, il paraît. Ah ça me choquerait pas. Donc, j'ai gagné 11 d'XP et je récupère peut-être ma vie, je ne sais pas. Seems vague, oui, ok. Oui, on s'en tape. So many lives. Oui, mais tu sais, c'est il faut qu'il y ait des gens qui meurent pour qu'on avance. C'est The Dance Wars en moins joli. Oui, on peut dire ça. Et en moins long. Allez. Par contre, mon power grid a pris cher. Donc, ça veut dire que j'ai pas été très malin. Ok. Parfait. Donc là, comment ça va se passer? Ils vont bouger avant. Ennemi, NPC, action. Donc là, ils vont bouger avant. Ok. On va bien voir ce qui va se passer. Ok. Donc là, s'il touche deux fois les bâtiments, ma partie est terminée. C'est un excellent jeu Chrono Trigger, j'ai jamais dit le contraire. Et là ils vont attaquer ça. Et qu'est-ce qu'ils font ça, parce que apparemment je peux attaquer, non? Satellite Rocket. Ok. Any class weapon. Wouah! Ok, ça explose. C'est pas pour un beam move et ça va tirer après les ennemis. Donc il faut que je les pousse. Ouais, il faut que je les pousse. Donc lui, il va falloir que je le pousse là, je pense. Lui là. Donc ça serait bien que cette unité là, elle vienne ici. Sauf que. J'ai posé ce truc là ici. Oh là là, ça a l'air d'être compliqué, hein. Attends, quoi que si je pousse là, je vais peut-être pouvoir. Oui. J'ai été voir la version PC qui est sortie une fois, elle est caca. Bah c'est la version mobile, c'est ça. Une attaque à 2 dégâts sur une ville à 2 PV. Ah merde. Il y a des attaques à 2 PV. Enfin, à deux dégâts. Merde. Non, mais là, ça va être bien, là. Je vais le mettre là. Il va tirer ici. Ça va les pousser. Et du coup, déjà, ça sera bien. C'est un puzzle game, vous l'avez dit. Ah. Bon, c'est pas grave. Il faut qu'on se fasse toucher. J'ai pas pris en compte un truc. Mais c'est important. C'est important. Ah mon dieu. Bon bah du coup c'est pas très bien en fait. Ah mais si je reset le turn maintenant, c'est un peu con. Ouais mais ça le pousse aussi. Gros stratège. Bah ouais mais bon, c'est mal fait. Ça aussi ça pousse en plus. Ah, fais chier, merde. Ouais, mais bon, tu sais, il faut encore qu'il y ait des gens qui meurent pour que il y ait des gens libres. Parce que quoi qu'il se passe, en fait, c'est la baisse. Quoi qu'il se passe. Surtout en plus que lui peut plus bouger. Donc, il y a que lui qui bouge. Alors, vous savez, j'ai envie de vous dire.
parfois c'est comme ça et pas le choix. Ma première partie sera peut-être courte, mais j'aurai appris beaucoup de choses et j'aurai appris de mes erreurs. Qu'est-ce qui fait 999 fois tic et une fois toc, un mille pattes avec une jambe de bois? Merci Lou, ta blague était très drôle. Merci beaucoup. Vraiment. Oula, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que je suis baisé. Donc là, lui, il va attaquer. Et il aurait pu attaquer avant. Hein. Poison. Provide passive bonus to all vec. Killing it remove the bonus. Select. Ok. Donc qu'est-ce qu'il fait? Flying. Ok, super. Un HP. Super. Bah, finalement, je suis vraiment très heureux de le savoir. Mais je crois que c'est la fin, là. Je crois que malheureusement nous sommes sur la fin parce que je sais pas comment je vais faire. Si je peux le pousser. Là je peux le pousser et lui peut le pousser. Ah si, techniquement c'est pas mort. Mais on n'est pas loin de la mort. Je peux tirer dans l'eau ou pas? Ah non, je peux pas tirer dans l'eau, je crois. Donc si, c'est la mort. T'as fait un copier-coller de Black Knight. Tu sais, ce n'est pas grave. C'est l'attention qui compte. C'est pas le résultat. Sauf qu'il faut réfléchir ici plus que sur Rocket League. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, bah, je vais mourir. Mais on va essayer. Hein. Bah, on va voir. Comme ça, je vais apprendre de mes erreurs. C'est super important. Peut-être que, en fait, finalement, l'eau va le pousser. On ne sait pas. Ah, mais en fait, je suis con. Mais je peux pas tirer là. J'aurais dû le mettre là. Non, même pas, j'aurais même pas dû le mettre là. Oh merde. En fait, quoi que je fasse, c'est foutu. Ah si, ça allait le pousser quand même. Ah, fais chier. Il y a combien? Deux. Le seul moyen... J'ai déjà reset mon turn une fois. Ah bon? Non. Go back in time, canony. Bon, je l'ai eu. Bon, ah bon. ah bon. Je suis pas bien là. D'accord. Ouais. Bon bah, c'est dommage. Anglais mieux. Bah là, mon anglais, c'est peut-être ma stratégie qui a pas été la bonne pour ce coup-là. Malheureusement. Je pense que j'ai été mal conseillé. Parce que en fait, non, quoi qu'il se passe, ça va exploser ça et c'est mort. En fait. Même si je le tue, même si avec lui je le tue et lui il va avoir qu'un point de vie. Non, même pas, il va pas avoir qu'un point de vie parce que là il en a un de plus. Non, bah non, en fait c'est mort. Quoi qu'il se passe, c'est foutu. Allez. C'est pas grave. Je le fais quand même. C'est pour dire. C'est pour la science, putain. Eh ouais. Mais est-ce que tu perds tout? Est-ce que c'est la mort pour toujours? Il avait un PV le monstre. Non, il en avait deux. Et il en avait un si je tuais l'autre. Mais de toute façon, en fait, dans tous les cas... Non, il en avait deux. Hein. Dans tous les cas, en fait, il y avait au moins une ville qui sautait. Et du coup, tu perds tout. Et, mais de toute façon, c'était pour faire voir. Il faut quand même apprendre aux gens. Je suis là pour apprendre aux gens comment jouer au jeu. Donc il faut que je tombe sur toutes les situations possibles, dont cette situation où je suis mort. D'accord. Pourquoi j'ai cliqué sur un mec quand je pouvais cliquer sur les deux autres? Je ne sais pas. Et donc j'ai pas débloqué, j'imagine, les autres couleurs. Car il faut... aller plus loin. Merde. Ah oui, bah je suis obligé de faire du game vu que... Voilà. Ok, bon, on continue.
Au bout d'un moment, ça va rentrer, vous savez. Et pourquoi lui, il est en violet? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il a l'expérience, quand même. Il a une histoire. Et donc, ça veut dire que comme il a une histoire... Eh bien, il peut continuer. Le jeu est quasi le même, à part que tu peux chasser un peu plus tranquillement. N'hésite pas à faire easy au début. Oui, mais tu vois, c'est marqué quand même que c'est pour les nouveaux et les players expérimentés. Donc je vais quand même, dans ma tétuance, continuer à essayer en normal. Oui, bah du coup, j'ai compris. Killing, ok. T'es pas expérimenté? Oui, mais c'est marqué que c'était pour les nouveaux aussi. Et je suis nouveau. Je suis un nouveau expérimenté. Et mine de rien, c'est vrai. Allez. Donc, tout va bien se passer. Alors, je vais mettre... Ah, mais non, tu vois, déjà, dès le début, ça va être chiant. Hop, voilà. Allez. Le placement du début, de toute façon, n'a pas l'air d'avoir une incidence importante. Vu que j'ai l'impression... Bah oui, parce que j'ai même pas l'impression vu que les ennemis bougent. Enfin, peut-être si ça doit être important si t'as des ennemis... Enfin, si t'as des unités qui peuvent pas bouger très loin. Que tu peux utiliser en conservant toute son XP et ses... Ouais, et ses compétences. Ok. Toto, arrête de... Ah bah non. Ah oui, donc là, je fais... je rigole. C'est important. J'ai dit que je rigolais à toutes les blagues sur le sur les loots. Car il y a beaucoup de loots, il y a énormément de loots, merci beaucoup. Hein. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, lui il va attaquer lui. Moi je peux prendre des coups de toute manière à chaque mission, je reprends de la vie. Ok. Mais faut pas que ma grille de défense descende. Okay. Jusqu'à là, ça je l'ai. Je l'ai. Donc lui, en fait, j'ai juste à me mettre là et pousser. Lui, ça va être le bordel. Sauf si je tire là. Ça va le pousser. Il va pas pouvoir tirer. Mensonge, tu n'as pas rigolé à ma blague. Si, une loot, j'ai rigolé à ta blague, je l'ai même lu. On est aussi mobilisé que des cheminots un jour de grève. Oui, et ça, c'est ouf quand même. Et ça, c'est fou. Donc, de toute façon, j'ai pas trop de possibilités là. Si je veux pas perdre du power grid, j'ai juste à tirer sur lui. Voilà. Là, j'ai pas le choix. Et il va attaquer ici, donc ça serait bien que je le pousse là, lui. Donc ça serait bien. Ça serait bien, mais je ne peux pas. Je ne peux pas le pousser là. Donc, il faudrait que je tire ici. Et je peux aller dans l'eau. Ah mais attends, regarde. Si je me tire ici, ça va pousser ça, pousser là, et me pousser moi. Et en gros, c'est... moi je peux aller dans l'eau, je crois, parce que je suis gros. Je suis massive, et je peux walk sur the water. Mais il va me prevent of shooting. Donc voilà. Donc ça, c'est intelligent. Serais-je malin? Peut-être. Hop. Cannot use your weapon is standing in water. Oui, mais du coup, je peux bouger. C'est fou quand même. Il est drôle, le gros. Et du coup, je peux me mettre où je veux et taper. Et là, l'idée, c'est que si je me mets là, il faudrait tuer le plus d'ennemis possible. The Coal Plant. C'est où le Coal Plant? C'est ça? Coal Plant, c'est ça. Parfait. Si je me mets là et je le paf. Ok. Allez, on est bien. J'ai plutôt pas mal joué. Bien sûr, personne dans le chat le dira parce que vous êtes jaloux. Et je peux vous comprendre.
mais au fond de mon cœur, je sais que j'ai réagi comme il le fallait. Non, j'ai pas mis play. Enfin, tout à l'heure, oui, mais pas là. Te plains pas, au moins, la tienne, il l'a lu en entier. Mais non, je l'ai lu en entier. Je l'ai lu en entier à Agbado. C'est juste que j'ai dit que je rigolais. Donc, je l'ai lu en entier et j'ai rigolé. Et elle est devant moi encore, hein. Elle est devant moi, je la vois. Ne dis pas que je ne l'ai pas lu. Sachez que je lis tous vos messages. C'est juste que parfois, je ne réagis pas à tout. Donc, on continue. Il faudrait que je tue lui. Pour qu'ils aient un PV en moins. Il a combien? Ah. Ouais, ouais, mais c'est compliqué. Est-ce que vraiment c'est un... Est-ce que vraiment il est possible à chaque fois d'éviter les dégâts? Ça, c'est une bonne question. Parce que là, lui, je le pousse. Lui, je peux le pousser. Et encore, non, je peux pas le pousser parce que... Le seul moyen de le pousser, ça serait soit avec lui... Ouais, mais c'est chiant. Attends, lui, je le pousse avec lui. On va dire. Hop. Lui, je le pousse avec lui. Et lui, je fais quoi? Ha! Donc déjà, c'est compliqué. Ça est sorti comment, MV? Dites-moi, c'est important. C'est pas qu'il lit pas, c'est un peu après chien. Oh là là! Arrêtez de dire ça, vous rendez compte? Vous dites que je n'ai pas lu. Et pourtant, hier, j'ai lu un bouquin entier dans Kingdom Come. Entier! J'en suis sûr qu'il n'y a même pas une personne en stream qui l'a fait. En tout cas, qui a lu le même livre, je suis sûr. Et si vous me dites que oui, vous mentez. Comment je fais? Si je le pousse. Ah, c'est chiant. Comment je peux... T'es move et reset ton tour. Bah là non, du coup je peux pas. Parce que j'ai pas encore fait de tour, finalement. C'est pseudo. C'est quel épisode de Martine? C'est quand même pas clair. Tu connais la morale? Oui! La morale, c'est qu'il n'y a pas d'oie. Enfin, non, c'est que dans l'autre, il n'y avait pas de poule. Ou je sais plus quoi. Un livre, c'est 200 pages. T'en as un chez toi? Montre-moi-en un. Fais-moi une photo et on verra. Moi, mon livre, il avait que 9 pages. Et il y avait marqué dessus. Mode d'emploi. Donc, qu'est-ce que je fais ça? J'ai pas trop le choix. Parce que j'avais... Non, j'avais pas trop le choix. Ça serait bien que je puisse tirer sur lui en fait. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Et en plus, lui, le problème. Voilà, absolument que je touche, je tape plus. Là. Quoique je peux le tuer. Ça serait mieux de le tuer, je pense. Est-ce que tu as lu mon loot? Non, alors attends. Je regarde et après je lis le loot. Ok. Mmh.
Ça fait fichu, c'est frustrant. Quoi? T'es avec qui? Ah, d'accord, j'ai entendu avec des amis, je te les vole, mais pourquoi c'est pas les miens du coup? Que tu as... Oui, non, je te fais une photo de ma Bible en papier Bible. Qui... Quoi? Je n'ai pas compris, Mostrif il parle, mais parfois je lis les mots, mais ça... Quoi? Le scotch. Le scotch, il est avant-dernier. Vas-y, regarde, avant-dernier. Ah non! C'est là, remonte l'autre. Voilà, c'est là. Waouh! Bon, ça a l'air d'être compliqué quand même, hein. C'est jeudi. Un nouveau perso d'Overwatch. Eh bien, je ne savais même pas. Donc là, je vais être emmerdé, là. Parce que je peux pas bouger. Encore une fois, je vais être obligé Oh, mais attends, mais là, je suis super baisé, là. Je suis super baisé. Parce que si je tape là, à la limite, ça va le pousser contre lui, qui va le pousser contre là. Non, attends, ça va, il va juste prendre des dégâts. Attends, peut-être que... Ah, mais non, et là, et du coup, je vais être baisé. Attends. Ouais. Ok. Donc là, je peux lui tirer dessus à la limite. Mais je vais pas pouvoir. Je vais être obligé de me prendre un coup. Mais même pas, en fait, je peux même pas le pousser, lui. Non. Si, ouais. Je suis obligé de faire ça. Mais non, ouais, non. Ah putain, c'est chiant. Bah ouais. Parce que je peux pas... Ouais. Parce que même s'il perd un point de vie... De base on s'en tape quoi. Faut buter les moustiques, ouais. Faut buter les ennemis. Et faut éviter que les ennemis tapent ton power grid. Parce que s'ils le tapent... Eh bien tu as plus de... bah en fait en gros ça chope tes, enfin ça tape sur tes points de vie. Et le problème c'est que si j'ai l'impression que si tu fais pas bon dès le début, du coup t'es tout de suite baisé. Ce qui est bien entendu un peu chiant, t'imagines bien. Mais ma victoire est dans un tour et je m'en tape parce que je peux pas bouger, génial putain. Quoique, alors attends, lui je le pousse. Bam, l'autre je le pousse. Donc là. Et de toute façon, je crois que c'est gagné parce que de toute manière, là de toute façon, je tire nulle part. Je peux tout faire péter. Je fais ça, ça me tape dessus quoi qu'il se passe. Donc, on s'en tape, c'est gagné. Hop. T'es caté. Preuve que tu lis pas le chat. Ah bon, t'as dit bonjour il y a 10 minutes. Attends. Faut que je trouve une excuse. Dépêche-toi. Donc t'as dit il y a 10 minutes. Donc ça veut dire que c'est haut. J'ai lancé un mouvement. Ah ouais, salut. Ouais, parce que... Alors voilà, j'ai trouvé l'excuse. C'est parce que t'as dit bonjour en même temps que Titou a dit gros stratège. Et comme je l'ai pris pour moi, eh bien malheureusement, j'ai été assez blessé pendant 10-15 secondes. Et j'ai pas lu le message en dessous parce que c'est sûrement passé 10-15 secondes après. Donc tu sais, la faute de Titou, vraiment, t'es vraiment pas sympa, Titou, je te le dis entre nous. Tu m'as quand même blessé, quoi. Ça passe. Eh ouais. Et mec va vérifier. Eh ouais. Attends. Donc je n'ai pas réussi à faire le truc, mais j'ai récupéré quand même un point de grid. Ok. Allez. Il faut apprendre à perdre.
Donc je vais récupérer des points de vie, mais si je récupère des points de vie, enfin si je fais des missions Tidal Wave, ok, je sais pas ce que c'est, des missions avec beaucoup de choses à récupérer, si je comprends bien, il semblerait que ça soit plus difficile. Donc je vais prendre le storage vault. Defensive Shield active, bon je sais pas ce que c'est, mais on va essayer. Un offshore volcano, giant tidal waves, along the coast. Bon, on va voir. Tides, ok. See your shield, you will block damage and negative effect. Freezing AC1, only direct will remove the shield and damage. Negative effect will. Ok. The special effect, every turn. Booster, ok. Turn to water at the start of the enemy turn. Ok. D'accord. Ok. Eh bien, avec plaisir. Et je suis obligé de les mettre dans l'eau. Parfait. Parfait, parfait. Allez, go. Les musiques, c'est vrai qu'elles sont pas ouf. T'inquiète, je dis bonjour, mais me répond jamais. Ah, bah, je suis. Ah, d'accord, non, ça avance. Ça fait avancer l'eau à chaque fois. Oh merde, d'accord, je pensais que c'était... D'accord, ok, ça n'avait rien à voir de ce que je pensais. Oui, mais ça... Attends. Mais ça veut dire que si ça fait avancer l'eau, ça va exploser ça. Quoi qu'il se passe. À moins de tuer tous les ennemis. Ça va faire 1, 2, 3. Oh mais je suis une horrible personne. Hein. D'ailleurs, je n'ai même pas lu le loot juste avant qui disait « Nice looking water ». Je suis un monstre. Je suis un monstre. Donc. Comment... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc lui, je pourrais le pousser là. Ça arrive quand? Environment, ok. Donc si je le pousse là, lui, il meurt. Dommage, parce que j'aurais bien voulu me mettre là. Bien entendu, ce jeu est mal fait. Donc je ne peux pas. Est-ce que je peux aller dans l'eau, moi? Il est massive. Il est massive, il peut aller dans l'eau. Parfait. Alors, on va faire ça. Faire bam. Du coup, lui... Ah, mais c'est chiant parce qu'il va falloir que je tape ici. Pour qu'il tape lui et lui qui meurt. Bah voilà, c'est bon. Aucun problème. Aucun foutu problème. Et lui il pourra bouger. Oui, oui, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et de toute façon, s'il arrive un problème, je dirais que le jeu est mal fait. Voilà. N'oubliez pas. N'oubliez pas, c'est souvent pas ma faute. C'est souvent, ouais, c'est souvent la faute des autres. Et normalement. Ok. Parfait. C'est bien joué. On devrait faire grève comme la SNCF. Quand même. Il vous en faut peu. Mais est-ce que je peux bouger par contre? La question c'est oui, je peux bouger. Alors. Donc, est-ce que je... Donc là, je peux pas bouger. Lui, il va se faire toucher, mais il peut bouger. Je peux le pousser là-dessus. Il y a moyen qu'on s'amuse, là. Donc lui, il va falloir obligatoirement que... Je le mette là pour qu'il tape là. Pour pas qu'il touche. Ok. Et moi, je peux prendre des coups, ce n'est pas grave. Ça se passe un peu mieux que la dernière fois. Tant mieux. Et après, on fera une pub. Parce qu'il faut faire une pub. Donc l'idée c'est que je me mets là, je le tape, lui il va prendre deux coups, et il va lui donner un coup à lui. On va dire que ça va... Et en plus, non ça va juste le pousser... Non je sais pas, non. On va voir parce que j'aimerais bien voir ce que ça fait. Ah ça va juste le tuer. Ah d'accord, ça va juste le tuer en fait. Ok. Bah c'est con, j'aurais pu me mettre là en fait. Boum. Comment? Pourquoi ça lui a mis 2 du coup?
D'accord, j'ai pas compris. Changer d'avatar, je sens que je vais faire aussi sur Discord. Eh bien, tout, t'avais quoi comme avatar? Je suis assez... Salut Coco, ça va? Bonsoir. Normalement... Ah, voilà, là c'est mon erreur. Voilà mon erreur. Et je peux undo le move. Ok. Parfait. Toi, merveilleusement bien, et eh bien je suis content de le savoir. Attends, est-ce que... Bah non, du coup, je peux pas... Je peux pas. Donc là, c'est bon. C'est pas grave si je suis dans l'eau. Ah, et c'est... la ville ne va pas mourir. Enfin, la ville ne va pas être sous l'eau. Donc là, la map, elle est plutôt simple vu qu'il n'y a pas de beaucoup de bonus objectifs. Parce qu'en fait, là, lui, il est con. Sachant que l'environnement va l'avaler avant qu'il puisse tirer. Lui, je m'en tape. Lui, j'ai juste à le pousser. Ah, je peux pas me mettre là. Oh, bah, il va mourir, quoi. Ouais, bah, ce jeu tire, il meurt. Lui, je l'éclate contre un mur et voilà. Et lui... Ah, lui, ça va être compliqué, du coup. Ah. Ah, mais c'est pas grave. Il va se prendre des damages directs. Je crois qu'il avait un Goomba. Oui, je pense qu'il avait un Goomba, ouais. Il a toujours dit qu'il préférait les Goombas par rapport au Koopa. Et ça, il a eu raison. Je suis assez d'accord avec lui. Quoique je peux me mettre là et le pousser. Donc attends, c'est pas fini. Est-ce que le feu m'endommage? Non, mais le feu, ça m'endommage pas. Le métal, normalement, si le jeu est bien fait, attention, faut prendre ça en compte. Si le jeu est bien fait, normalement... Ah, mais attends. Ah, mais ça va le tuer direct. On est d'accord que si je tape, Claire Survive s'est vendu à la hauteur de 5% des ventes de MG5 au même moment. Bizarre. On fire, it will take one... Oh là là, c'est mal fait. Merci Fitz. Merci beaucoup pour ton follow. Très gentil, mais c'est pas grave. Hop. On s'en fout. De toute façon, c'est le dernier tour. Donc on s'en tape. Lui, il va mourir. Mec, il y a un repair. Eh ben oui, je sais. Mais t'as pas besoin de repair. Regarde, tu te mets là. Hop. Hop, hop. Voilà. Et lui, il va mourir. Attends, est-ce que je peux le tuer? Ah, c'est dommage parce que si je me mets... Attends, je peux le tuer. Je peux le tuer et réussir la mission. Regardez. Si je me mets là... Non, attends, je peux pas me mettre là. Ah, dommage. Ah! Quel dommage. Je suis déçu. C'est pas grave. Donc, normalement, c'est gagné. Parce que là, personne t'a pris, hein. Et oui. Merci pour le loot. On s'en fout. Tu meurs. C'est plus un problème. On a gagné de l'XP. Lui, il tape à côté. Le métal fond. Avec le feu. Je dis que non. Voilà, mission complète. Finalement, c'était simple. Bien sûr. Bon, du coup, j'ai pas eu la petite étoile qui me permet de... d'avoir des corporate reputation. Mais on s'en fout, pas besoin de réputation. De toute façon, je suis dans Pacific Rim. De base, je sauve les habitants. Les habitants sont heureux. Et pilote mech reactor increase by one. Ok. Reactor. D'accord. Ah ben voilà, c'est pour ça en fait que tu peux pas finir le jeu au tout début. Tout simplement parce que les personnages, tu peux les améliorer. Donc en fait là, en gros si tu veux, le jeu il a fait exprès de me tuer parce que parce que j'ai pas pu avoir
ces trucs-là, bien entendu. KingdomCom, c'est une moyenne de 40k joueurs. Le pic de joueurs Steam est de 4376 joueurs. Pas mal. C'est mal barré. Mais, de toute façon, honnêtement, je vais dire une chose très dure, mais je le pense très sérieusement. C'est que malheureusement, en plus que les gens sont pas curieux, eh bien, ils ont vu Metal Gear Survive, ils se sont dit que de toute manière Metal Gear était mort, machin, Kojima, tout ça, et que même si Konami a des problèmes, tout ça, et le jeu est tellement parti avec un a priori négatif. Que de toute manière le jeu n'allait pas se vendre même si c'était un super bon jeu. Et les gens sont malheureusement comment dire, pas cons parce que c'est faux, mais ils ont des a priori très rapidement, et c'est ça, le jeu n'allait pas fonctionner de base, donc bref, ce n'est pas grave, comme de Generation First qui a eu des ventes merdiques, etc. Mais c'est pas grave, je ne vais pas juger les gens, je suis techniquement pareil que j'ai des a priori sur certaines choses, comme un humain. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Konami devait le savoir. Il devait le savoir. Donc qu'est-ce que ça fait? Can you use to improve your weapon? Your weapon? Star Reactor Core to upgrade. Donc là, j'ai pas besoin d'installer, mais il en a un de plus. Donc le Titan Fist fait 2, non, fait pas 2. Ah, d'accord. D'accord. Je peux avoir un dash. Ok, et là il y a... Ok, t'as des trucs... Ok, je vois. Et tu peux bouger de 4. Oh. Bon, on va prendre plus de vie, c'est mieux. D'accord, c'est assez stylé, ouais, je pensais pas que... C'est cool. C'est très cool. Très très cool. C'est le moment de faire une petite pause. Parfait, 1h24 déjà. Eh bien, c'est un peu comme No Man's Sky. Bah non, c'est les gens qui l'ont acheté finalement. Après, faut être honnête, M1 n'est pas une révolution. Il est à peu près correct sans plus. Oui, mais en fait, même en étant correct sans plus, il a été jugé comme étant pourri. C'est comme ça. Mais, tu sais, c'est le marketing. Enfin, le marketing, c'est la com qui a été mal faite. Ils ont testé un truc, ils l'ont raté. Écoute, c'est la vie. Du coup, petite pause de 5 minutes. On revient et on continue notre cher Into the Breach. C'est compliqué. C'est pas simple. Mais vous savez... c'est surtout pas de ma faute, car j'ai la lecture instantanée. Pub.
Re dans Into the Breach et re dans les jeux où il faut réfléchir et je suis pas très fort. Je trouve pas être mauvais dans les jeux de réflexion, mais ma réflexion que je veux rapide bien ne m'aide pas. Bizarrement, quand tu veux réfléchir rapidement et bien, souvent ça marche pas. Et du coup, je pense qu'il faudrait en parler longuement. Si des gens ont des idées pour savoir comment on fait, n'hésitez pas à me donner vos meilleurs conseils. Salut Big Jim. Il faut lire et réfléchir, c'est deux fois trop pour moi, c'est ça. Alors, et du coup le loot c'était, étant malade depuis 3 jours, j'ai décidé de me faire un croc de rhum, mais je crois que j'ai mis trop de... Ah Tenato, j'espère que t'iras mieux très vite. On a besoin de toi, Thanatos, on a besoin de toi, sache-le. Tu bois tout l'alcool que je ne bois pas finalement, tu prends ma part. Du coup, j'ai que des missions à deux, donc je vais sûrement en mourir, mais j'ai tenu une map de plus que la dernière fois, donc ça veut dire que j'avance, ça veut dire que je progresse, et ça c'est bon. Alors, on va essayer de récupérer un power grid. Let's kill the volette. Ok, des bisous, je dis. Bon appétit à toi. Destroy the dam. Block, ok, je veux récupérer. Non, pas de volatile machin là, c'est chiant. Protect. Alors, on va prendre le secondary archive. Oulala, end battle with less than 4 mech damage. Ok, et je sais pas ce que c'est, ça doit être des mines. C'est bien le... C'est cool là, ça là. Ça les... Enfin le... A chaque fois il y a des trucs un peu aléatoires qui pop. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, j'aime bien, merci pour votre loot, hein. Il y en a énormément, merci énormément. Vous êtes vraiment très cool. Juste avant, petite pub, c'est Unreal Tool, tout ça. Très important. N'hésitez pas, comme toujours, à aller checker la page YouTube, Discord. Venez sur le Discord, n'hésitez pas à venir sur le Discord, on est nombreux et on s'amuse tous les jours chez nous, il fait au moins 30 degrés. Et pas comme là-bas, là, où il fait moins 10 degrés, il fait au moins 30 degrés, c'est la plage tout le temps, et il y a des cocktails à volonté, c'est pour ça que Thanatos y est d'ailleurs, il a un peu trop bu à cause de ça, et il en est un peu malade. N'hésitez pas à télécharger aussi l'extension de la chaîne, Volchan a énormément travaillé dessus, il a corrigé tous les problèmes qu'on avait. Et vous savez pas que, c'est pas une extension, il y a juste le live, il y a juste un bouton Twitch, mais il y a aussi tous les derniers clips les plus drôles et les dernières VOD YouTube. Donc comme ça, eh bien, si vous ratez un live, vous pouvez même aller voir les dernières VOD YouTube juste avec un clic. Voilà, et sinon voilà. Bonjour Espadon, est-ce que tu as tiré 7? Oui, 7, je l'ai tué, ouais. Je l'ai tué, Espadon. Ouais. Au risque d'être relou, ça apporte quoi de plus l'extension? Ça apporte que tu as une notification directe quand il y a le stream qui arrive, ce qui n'est pas souvent le cas pour Twitch. Tu as accès directement aux petits clips, les clips les plus vus de la chaîne, les plus vus dans les 7 jours ou les 14. Bref, les petits trucs un peu drôles si t'étais pas là sur le live et que tu veux revoir un moment cocasse ou gênant ou le malaise. Et tu as aussi tous les derniers tweets. Voilà. Mais comme tu es là souvent, Coco, peut-être que toi ça te sert peut-être pas trop, mais voilà. Et dernière chose, et là c'est important, il y a aussi la boutique. Alors attends, un petit truc boutique. Hop, avant que Nimila le fasse. Bim. Voilà, vous avez la boutique. N'hésitez pas. Non, là-bas. Hop. N'hésitez pas en bas à aller voir la boutique. On y a aujourd'hui 3 visuels. Donc le visuel rempart, le visuel Shovel Knight et le visuel Petit Sapin Magique. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des retours si vous avez acheté ou nous envoyer des photos. C'est super important.
c'est super important. Et bien entendu, dans quelques temps, il y aura de nouveaux visuels. Voilà, c'est bon. C'était le moment promo. J'ai gagné 10 minutes de jeu en moins et 10 minutes de... Enfin non, et de nombreuses remarques que vous ne pourrez pas faire car je n'aurais pas pu faire d'erreur. Voilà, voilà. Je sais, c'est une technique avancée. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Donc ça, ça doit être des mines. Et le jeu, c'est totalement Pacific Rim. Alors, Old Earth Mine. Any unit that stops on this space will trigger the mine and be killed. Ok. And be killed. J'ai reçu le t-shirt hier. Cool, Kurt. Il est cool, cool. Il est cool, cool, cool. Bah, n'hésite pas à faire une photo. Hein. N'hésite pas. Si d'ailleurs tu as une comment on appelle ça, une critique, qu'elle soit mauvaise ou bonne, hein, c'est pas grave. N'hésite pas aussi à nous la faire. C'est important pour qu'on puisse s'améliorer et qu'on puisse vous proposer des produits toujours plus qualitatifs et toujours plus stylés. Non, pas comme Kenjin. Surtout pas. Donc là, je vais me faire attaquer. Là aussi, c'est fou la vie. Donc là, il faut que je le pousse. Il faut que je me mette là, je pense. Lui, je vais le pousser là-dessus. Non, je vais tirer sur lui. Qui va, lui, va le pousser. Lui, de toute façon, j'ai juste à le pousser ici. Donc, je vais le faire direct, d'ailleurs. Paf, comme ça, il bloque la sortie. Hop là. Là, je me mets là. Ça va faire paf. Ah putain, j'aurais pu faire ça. Comme ça. Voilà. Et donc techniquement, j'ai bien joué. Vous pouvez tous applaudir. J'applaudis. J'applaudis parce que je sais que vous allez applaudir. Merci. Vive les mechas. On est d'accord. Ce loot, c'est sponsorisé par Ashton. C'est génial. Je porte le mien en ce moment même. J'ai du swag sous mon pull. Ouais, malheureusement, j'ai dû le laver. J'ai dû me laver, donc il n'est plus là, malheureusement. Il n'est plus sur moi. Ok. Donc, lui, je vais pouvoir le pousser, le tuer direct. Mais c'est pas grave s'il me touche. Donc, je peux le pousser sur lui. Alors je vais peut-être... Ah, attends, c'est un peu chiant ce qui va se passer. C'est un peu chiant. Parce que... Le but, hein, comme toujours, c'est de d'éviter qu'on se fasse toucher les power grids parce que c'est malheureusement ce qui nous tue, nous grignote la barre de vie. Une petite image pour rassembler toutes vos photos. Oui. C'est important. Tu veux nous faire disparaître. Elle veut vous faire des petites poupées vaudou de vous. C'est mignon. Pas esprit de contradiction. C'est pas grave. Non, aujourd'hui pour aller au travail. En tout cas, moi j'applaudis. Donc si je tape là. Lui, faut, c'est chiant. En fait, faudrait tuer lui. Parce que si je tape là, lui je le repousse là. Lui je le pousse là, je le tue. Lui il va avoir 2 points de vie, lui 1 point de vie. Attends, peut-être que c'est intelligent. Peut-être que c'est intelligent. Ah merde.
ou faut que j'accepte de prendre un coup? Ok, donc là j'accepte de prendre un coup. Bim. Voilà. Donc là, même si je prends un coup, c'est pas grave. Vous pouvez dire bien joué. Bien joué. Bien joué, bravo, bravo, bravo. Ma vie est triste, je parle à un écran, je parle à une caméra et je m'applaudis moi-même. Mais je suis plutôt content. On n'a pas l'air heureux sur ce jeu, il est bien. Si, si, mais c'est juste qu'il est compliqué, donc il faut réfléchir avec son cerveau. Donc là, je peux le tuer. Donc là. J'ai un truc à jouer. C'est Zoom Zoom. Enfin, Zoom Zoom. Ou salut Maxime. Comme tu veux. Ça performe, ça va. C'est Frodon. Je retourne sur PUBG. Mais le jeu est cool. Le jeu est cool. J'arrive à... Je suis arrivé à faire quelque chose qui m'a satisfait. Alors que ça fait même pas 2 heures que j'y joue. Mais c'est pas simple. Donc là, comment ça va se passer? Je pourrais le tuer et lui le pousser... Mais j'ai pas pris de damage en fait. Non, parce que les fire damage. Ah, mais du coup, je vais en prendre obligatoirement. Ton move était correct. Ton move était correct. T'as vu, je suis condescendant. Non, je pourrais me mettre là, même si je vais être en feu, et me. Attends. Parce que ça va être problématique. Salut Batman. Salut Batman. Salut. Donc si je tire sur lui, je fais en sorte que aucun de mes bâtiments soit touché. Voilà. Il va attaquer avant que l'ennemi émerge. Ce n'est pas grave. Je peux le pousser dessus. Ça c'est bien. Voilà. Et moi je peux me mettre sur un des trous. Et je vais me mettre ici. Et je vais pas le taper. Et je peux pas me soigner. Enfin, je peux pas soigner lui. Qui va prendre un coup quoi qu'il se passe. Oui. Là j'ai pris un coup. Oui. Parfait. Et il y en a. Alors j'ai pas compris trop l'explosion là. Mais normalement, c'est gagné. Parce que là, je me soigne. Voilà. Il n'y a plus de feu, donc il n'y a pas de soucis. Il a marché sur la mine, le mob. D'accord. Lui, il a un point de vie. J'arrive, je lui mets la max. Et tout est gagné. Attends, j'ai gagné? Et j'aurais réussi les 2 objectifs? Non. C'est pour ça que je suis nul. Attends. Alors, la condescendance, dès que j'arrive, serait-ce un signe? Mais qui? Qui a été condescendant? Il y a des méchants sur le chat? Une souris et un éléphant courent dans la savane. Ces oiseaux, il est sub, j'ai le droit de dire sans doute. La petite souris dit... Tu as vu toute la poussière qu'on déplace à nous deux? Ah, c'est pas mal. C'est pas une blague, d'ailleurs. C'est pas une blague. C'est beau, putain. C'est beau. Donc, cela se dit... Xum Xum.
plutôt que Xoom Xoom. Ok, Xoom Xoom. Je retiens. Le mieux est de pas avoir d'attaque sur les villes, c'est encore... Ah, pour... c'est encore de fermer le jeu. Mais dis pas ça. J'essaye de combattre mon problème. Et on a gagné. Et j'ai réussi tout. Oh, faites un clip de ce qui vient de se passer et annoncez que c'est à peu près comme ça que je joue au jeu tout le temps. Parfait. Donc, rénovation. Mais alors, donc, je vais quand même poser une question à celle d'elle. Parce que c'est une question importante. J'ai l'impression que ta position, ton positionnement dès le début de jeu va décider si tu vas pouvoir sauver ou pas les enfin, si tu vas pouvoir, enfin, si tu vas réussir la map ou non. Et du coup, ben, j'ai pas l'impression que ça soit que tu peux t'en sortir tout le temps, non? Je n'ai pas lu ce loot. Non, je l'ai pas lu. C'est vraiment les pires. C'est vraiment les pires. Ok, restauration. Donc là, c'est pour gagner des points de corporation. Ultra plantation point to purchase supplies. Hunt's Island is secure. Ok. D'ailleurs, on est d'accord que ils vont tous. Tout le monde va bien. Je peux changer. Je peux changer entre les missions, c'est bien. Bah, je vais mettre les moves. Parce que c'est mieux de bouger, je pense. Ta position au début détermine ta position au début. Merci. Donc. Faut qu'elle soit pratique à jouer pour réagir aux situations possibles une fois que les mobs auront bougé. Oui. Donc faut pas les mettre au pif. D'accord. Qu'est-ce que je choisis? Alors j'ai pas envie de prendre ça. C'est chiant parce que ça c'est une mission chiante. Je peux la refaire? Non, je peux pas la refaire. Defend the tanks. Allez, on va defend the tanks. On y va. C'est rarement pour rien qu'on te donne le choix. Sinon, il y aurait des spawns fixes. Exactement. Alors. On va mettre là. Lui, on va le mettre là. Et lui, ici. Ah, tu peux aller rouge. Tu peux pas le mettre direct. Ah, attends. Là, il te dit directement où tu peux bouger. Donc, si je le mets là, je peux toujours bouger. Okay. Donc, je vais mettre là. Time pod contain equipment for the future. You can collect it with the mech or just defend until the end of the battle. Ok. D'accord. Et surtout, si tu as du mal à réagir, c'est peut-être aussi que tu manques de mouvement simplement avec tes unités. Ça peut être important d'ajouter. Bah, c'est ce que je viens de faire, je crois. Oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis 4. Ouais. Donc il faut... d'accord, donc là... J'ai bien compris. Lui, je vais le pousser. Donc lui, je le pousse. Lui... Dommage. J'avais une idée pour toi et on n'a pas pu. Lui, je le pousse aussi. En fait, c'est dommage parce que, à mon sens, les mouvements sont le premier up de chaque machine à faire pour avoir au moins 4 pour tout. J'ai lu Pou au lieu de Pod. Après, tu vas pouvoir jouer FF Tactics? Oui. Peut-être pas, finalement. Alors, attendez, j'ai un message de Celia. C'est sûrement important. Ok, parfait. Tout va bien. Donc, en fait, j'aimerais bloquer
Salut Hyper Contact. Oui, il est cool. Enfin, il a l'air cool. Enfin, il est cool. Qu'est-ce que j'ai... Je ne sais pas. Donc. Le but est de protect aussi the time pod. Non, c'était pas en manche quoi. En fait, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Il va falloir pousser les deux. Parce que eux, c'est des attaques de base. Mais lui en fait, c'est une attaque où ça lance un truc, non? Non, c'est juste une attaque aussi de base. Et lui, c'est une attaque de base aussi. Parce que là, l'idée, c'est que j'aimerais bloquer en même temps un spawn. Mais je peux pas, en fait. Je peux pas tirer et bouger, je parais. Je peux pas tirer et après bouger. Ça serait vraiment trop bien. T'as mal géré ton positionnement, c'est important de pouvoir balader les unités. Oui. Manifestons notre mécontentement à loot sans plus. Oui, c'est vrai. C'est... Manifestez-vous. J'aime bien quand vous manifestez. Manifestez. Je suis pas content de ce que je vais faire, en fait, là. T'as quand même besoin de mettre certaines compétences secondaires comme... Tapé, que bâtiment, sans qu'elles prennent de dégâts. Pas être quoi, ça dépend du robot. Ok. 15 euros, écoute. 15 dollars. Salut Whispel. Comment vas-tu? Whispel dit à Béranger de me répondre par mail. Dis à ton patron de me répondre. C'est une blague. Oui, ça coûte 12,50 sur GOG. Et vous avez FTL gratos avec. Franchement, eh. Ok. Du coup, non. Je pourrais le tuer, non. Ah, attends. Ah, c'est dommage parce que... Non, c'est dommage parce que si je mets... Non, bah non, en fait, bon, ça va faire pas faire ce que je veux. D'accord, bon, c'est pas grave. Du coup, je peux plus bouger. Ouais. Si vous êtes abonné, même aussi à 11,24. C'est pas faire par Whispel, il veut juste de loot une clé. Mais non! Whispel, il a dit quoi? Il a rien dit encore, c'est bon. Whispel, n'hésite pas à me répondre. Ok. Et là, ça touche rien. Pour l'instant, c'est les IA. Ouais. Va le voir. C'est son taf. Oui. Ah merde, ça, ça c'est chiant. J'ai pas fait attention, mais un de tes mecs s'appelle Kirby. C'est un signe. Ah ouais? Attends. Ralph, Willow, Kirby. Ah ouais. C'est Kirby! C'est le Kirby pognon à nous! Donc, comment ça va se passer? Je peux toujours bouger lui. Lui, de toute façon, il sert à rien. Mais je peux me mettre là et taper pour qu'il l'autre, il le pousse sur lui. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc lui, attends, si on est intelligent... Ah, mais ça va le... Attends, ça va le pousser, hein? Ou ça va le tuer? J'arrive pas à savoir si quand ça pousse contre un ennemi, est-ce que ça le tue? Donc du coup, on va tester. Non, il perd que 2 points de vie. Et il bouge pas, voilà. Donc c'est bien parce que maintenant je sais. Et en ayant fait cette connerie. Et maintenant je sais. Ça ne tue pas, ça fait juste des dégâts. Ok. Parfait. Donc maintenant il va falloir obligatoirement que je le tue. Eh bien écoute, c'est cool. Écoute, c'est cool et c'est pas simple. Mais il y a deux ennemis qui vont arriver. Et j'aurais pu mieux jouer. C'est embêtant. Mais je peux pas mettre sur une position. Ah, le problème c'est que. Quoique, attends, j'ai peut-être un truc bien. Si je fais ça, ça bam bam et ça va faire bam bam bam. Ah ouais, je suis peut-être malin.
Je suis peut-être malin. Ou peut-être pas. Bam bam bam. Et là, personne n'est touché. Parfait. Notre bad rookie. Voix de vieux. De mon temps, mes sapins streamaient depuis une plage. Ah putain, c'est vrai. Ça a un certain standing, pas comme maintenant. Mais ouais, ça a un certain standing. Je suis baigné dans le jeu vidéo maintenant. Avant, j'étais baigné avec du sable et en fait, j'étais méchant. Et puis... Enfin, j'avais l'impression que j'étais un peu, tu vois, au-dessus. Et là, maintenant, je suis proche des gens. C'est tout. Donc. Voilà, et là, paf. Parfait. Par contre, je vais être obligé de rester un poil quand tu te paies. C'est un bon jeu, mais un mauvais FTL. Pas mal, Ned, pas mal. Écoute, je pense que je vais mettre un 18 à cette. À ce que tu viens de dire. Alors là, ça va être compliqué. Ah, maintenant je peux les bouger. Ok. Donc je vais pouvoir attaquer les ennemis. Bon, là je peux pas bouger par contre. Donc, je peux bouger lui. Bien entendu, je peux pas me mettre là, mais tu peux mettre. Voilà. Ça, c'est important. C'est très important. Donc, comment je vais faire? Lui, je peux le tuer directement. Ou je pourrais tuer lui. Ou je ne sais pas. Ça va le pousser là-dessus. Pense à buter le poulpe volant, il buffe ses potes, le saligo. Oui. Mais pour buffer l'autre. Est-ce que. Ah non, mais lui, ça va pas le bouger en fait. Ça va juste le. Alors. En fait, ce que j'ai envie de savoir là, c'est est-ce que. Non, si je le touche, ça va pas lui cancel sa web là. Donc c'est chiant. C'est chiant. Mais si je le tape là, non mais non plus. Non plus. Donc en fait, faudrait que je tue ce truc. Ah, t'as raison, faut le tuer. On est bien, ça joue bien. Oh, on a... Super rôdeur. Si tu nous entends, d'où tu es, on pense à toi. Faut le pousser. En fait, faudrait que je tape là pour que lui, ça le pousse. Mais ça va le pousser. Ça va pousser mon mec, en fait. Et ça va taper lui. Ça va le toucher. On pense à lui. Bah oui, moi je pense à lui. On va voir. Voilà. Du coup... là, je tue ce truc avec ça. Bonjour, j'ai pas lu. Voilà. Alors, comment ça se passe sinon? Techniquement, là, lui, il peut pas me toucher. Paf. Du coup, lui, il peut bouger. Foutre-le dans le feu. Culer. Et lui, faire en sorte qu'il ne me tape pas. Voilà. Culer.
Un loot, merci pour ton loot, ma chère Nimelia. Merci énormément. Il me reste plus que deux tours et il y a beaucoup trop d'ennemis sur la map. Mais tout va bien se passer, car je vais survivre, putain. Du coup, lui il faut pas, mais lui il va prendre un coup. Donc là, il a un PV de plus. Donc il va en avoir 2. 1. Il faut que je touche une fois. Merde, lui peut pas bouger. Mais je peux bouger lui. Ça va peut-être me servir à quelque chose. Non. C'est pas simple, hein. Mais c'est le dernier tour, de toute façon, là. Donc, comme c'est le dernier tour, il faut se dire qu'on est bien. Faut que je peux prendre un coup. Je peux prendre un coup, c'est pas grave. Si je tire là, lui il va passer là. Moi de toute façon je vais me faire toucher, ce n'est pas très grave. Lui il faut juste le bouger. Voilà. Et on va le bouger. On va le pousser, il va tirer sur le mec. Voilà, c'est pas très grave. Là, je peux me mettre devant pour prendre le coup, pour tanker. Nous, on va faire ce qu'on a dit afin de bouger ça. Pas de problème. Lui, du coup, il peut attaquer. Il peut tuer lui. Ou je peux tuer lui. Comment ça se passe, on ne sait pas. Mais on va le tuer, je pense. Hop. Du coup, un PV de moins pour tout le monde. Et je me mets là. Et je le paf, et l'autre, ça va tuer lui. Lui, il va mourir directement. Et il va pas me tuer. Normalement. 2 à 5. Ah merde, non, il va quand même nous toucher. Parce qu'ils sont arrivés après. Bon bah c'est pas grave, on peut pas tout calculer aussi hein. Vous savez on peut pas tout faire. Mais de toute façon c'est gagné. Attends, lui il a pas fait son attaque. C'est bon hein, j'ai entendu. On s'en fout de toute façon, voilà. Ouais c'est bon. Hop c'est gagné. De toute façon c'est gagné. C'est pas grave. Il le tue. Putain, il s'est gagné. Et en plus avec les deux. Et le time pod. Open the door. Pod content. Smoke bomb. Fly over the target while dropping smoke. Power free. Ouais. Je peux prendre les deux. J'ai l'impression que je peux prendre les deux. Oui, ça a l'air de prendre les deux. Warning 6. Oula. Ah, pas mal. Ok. Corporate reputation as a secure engine and complete. Your reputation. Oui, ok. On a une crise. Can spend reputation on supplies at the end of the island. C'est génial la smoke bomb, ok. Et j'ai des réacteurs core que je peux installer. Voilà, mais j'imagine que si j'installe, you can use the button reactor core in a mech. Each core will increase a mech maximum reactor power by one. Ok. Mais j'imagine que si j'en mets à 1. Eh bien, c'est le bordel pour les autres. Mais du coup,
Si tu peux pas tuer un ennemi, tu l'empêches d'attaquer. Ah, c'est bien. D'accord. Et tu peux le mettre à un mecha. Ok. D'accord, tu peux choisir. Je vais mettre à lui. Ah, tu peux. D'accord. Ah, c'est bien ça. Ok. Et si je veux installer Weapon Modification, qui en a mode pour Power, machin, mais moi je veux lui mettre un mouvement supplémentaire. Mais j'imagine que là, c'est que à lui maintenant. D'accord, ok. Any Class Weapon. Ah oui, Any Class Weapon, c'est marqué. Parfait. Parfait. On est bien. C'est de la chance. Bon bah, parfait. Finalement, on est content d'avoir de la chance. Ok. Et est-ce que Undercore Installation... Ah, tu peux... Ok, tu peux... Donc là, je peux... Si je veux, là, peut-être un peu là. Donc peut-être à lui, finalement, pour pouvoir mettre à 4. Couillon qui précise pas à quoi ça sert à Smoke Bomb. Heureusement que celle d'elle soit bien. Et oui, heureusement que celle-là est bien informée. Il a sûrement... dû jouer un peu plus. Il précise dans la petite animation. Fly over the target while dropping a smoke. Ouais, mais l'animation fait que t'as pas tout en fait. Après, je pense que tu peux tester pour tes. Regarde, c'est marqué. Je vais faire si je mets test mec pour voir. C'est chiant. Voilà. Hop. Unit smoke cannot attack or repair. Bah voilà, regarde, c'est marqué. Attack or repair, voilà. Finalement, c'est assez simple. C'est les oiseaux. Enfin, bonne soirée. Des bisous à toi. Merci d'être venu. C'est très gentil. Techniquement, tu peux tester. Il y a un bouton. Il y avait la possibilité de tester. Parfait. Allez, on y va, corporate, machin, destroy the firefly leader, protect the corporate tower, et ouais. Alors, on va le mettre assez près parce que... Alors attends, on va bouger là, ouais. Et apparemment lui fait plus de... C'est juste que c'est le leader. Oulala. Yardoum. J'ai froid. J'ai très froid. I have très froid. Inspect unit. When... Ah. Ah bah non, non. Alors, désolé. Faudrait vraiment que je change la sonnerie de mes téléphones. Je suis en stream. Mon avatar est un oiseau, un avion. Non, c'est un oiseau. Ah, ça, je comprends plus du tout. All. Ok, voyons, over to examine. Ah oui! Ah oui, attends. Ça veut dire que il fait 4 points de dégâts. Merde. Oh, attends, c'est chiant là. En plus, 4 points de dégâts, quoi qu'il se passe. Je suis baisé. En fait, fallait faire la lecture incendiée sur ce loot, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. Parce que s'il fait 4 points de dégâts, je peux mourir en un coup. Parce qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de vie.
Moi-même t'as gagné, mais tu t'essayes toujours aussi de m'embrouiller. Attends, j'ai l'impression que le jeu est en échec et mat là. Attends, je dois faire une. J'ai du mal à comprendre. Donc. Lui. Je peux peut-être le bouger. Et si je le bouge. Il va tirer quand même ici. Ça a l'air d'être un ennemi qui tire dans les deux directions et que ça fait quand même 4 de damage. Ok. 4 de dommage. Ça tue de toute manière, mais. Voilà. Mais peut-être je peux le pousser 2 fois. Et je peux l'empêcher d'attaquer exactement avec mes smoke bombs. Mais pour avoir accès à mes smoke bombs, il va falloir que je fasse que je bouge celui-ci. Parce que là, les smoke bombs, je ne peux pas le mettre sur lui. Parce que je ne peux pas sauter sur un ennemi. Voilà. Donc le problème, c'est qu'il va falloir d'abord que j'enlève ce truc-là. Sauf que je ne peux pas enlever ce truc. Parce que, de toute manière... Donc, comment faire? Ou alors je le pousse ici et je fais la smoke bomb. Ok. Bonsoir Shamshan, c'est un jeu next gen bien sûr, nous sommes sur Wii U. Oui, c'est le dernier jeu des mecs qui ont créé FM. Sinon tu le tapes avec le gros mecha, le mob chiant. Lequel a le saut ? Lui. Mais c'est bon, en fait je le place ici. Je fais en sorte de taper. Eh ben non. Si je tape là, ça va le pousser. Si je tape sur lui, ça va le pousser. Je pourrais le smoke bomb. Mais ah merde, ça va me pousser dessus. C'est pas simple quand même. Ça va me pousser dessus. Il y a 3 points de vie. Mais attends mec. Si je fais ça. Où je sauteur en dessous à gauche. Oui là. En gros, je le pousse là pour faire le saut. Mais ça, je l'ai. Je compute. Mais le problème, c'est que là, je peux pas sauver tout, j'ai l'impression. Alors. Qu'est-ce que tu me proposes, toi? C'est vrai. Bouge le sauteur en dessous à gauche. Ok. Tire la tire sur le boss pour pousser le mob chiant. Ouais. Mets le gros mecha à la place du mob chiant pour le pousser vers le sauteur et tu smoke. Ok. Oui, mais il y a l'autre bâtiment. J'essaye de sauver tout. Mais si je peux pas tout sauver. Parce que si je tape là, lui ça le pousse là, et lui ça le pousse là, et de toute façon, de toute manière, ça ne changera rien. Mais je peux peut-être tuer lui. J'ai peut-être un truc. Si lui je le mets là, je tire ici, je pousse cet ennemi-là. Je pousse cet ennemi-là qui va prendre un point de dégâts, et qui va mettre un point de dégâts. J'amène ce mecha-là, je tape dessus, techniquement si je tape dessus, ça le tue et après je saute. Je ne sais pas si c'est ça. Je pense que ça fonctionne. C'est dommage. Et c'est dommage que je peux pas me mettre là. Hop. Ah mais ça va toucher la... Chier.
En fait, finalement, ça va. Ça touche quoi que ce soit. Tape le mecha pour pousser le chiant. Par contre, pas sur la ville, ouais. Quel dommage! J'ai mal joué. Après j'ai le feu. On va dire que c'est pas grave. Bam. Et lui, il peut smoke bomb. Ici. Voilà. Et techniquement c'est tout. On est bon. Je peux tanker un coup. Maintenant, est-ce que j'ai encore une smoke bomb? J'ai du smoke bomb à l'infini, donc il va falloir utiliser smoke bomb à l'infini. Alors. Va falloir utiliser smoke bomb à l'infini. Il a gagné un point de vie à cause de cette merde à con. Lui, je m'en fous, je peux me bouger. Ah non, je peux pas me bouger. Oh. Donc lui, il faut que je smoke bomb encore une fois. Quoi qu'il se passe. Est-ce que je peux me mettre dans ma bombe à moi? Enfin, dans ma smoke à moi. Cannot attack or repair. Units. Ah, d'accord. Il faudrait que je le pose Ouais, je le pousse dedans, ouais. Sinon, je le pousse dedans. Parce que je tire là. Mais le problème, il faudrait que je me mette. Ah, putain, c'est chiant. J'aimerais bien bloquer un truc à merde. Bloquer un truc à merde! Donc là, je le tape, je le pousse et je prends un dégât. Si je tape là, je me le pousse sur moi et je me prends un dégât. Donc je me mets là, je le mets dedans, je le mets dans la smoke et on est bien. Voilà. Lui. Je peux empêcher qu'il y ait un autre qui vienne en faisant ça. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ne t'énerve pas, tout va bien se passer. Ou je peux smoke encore une fois. Merci Buzz, Lois pour le loot. Comme ça, il attaque pas. Et on peut smoke à l'infini. En fait. C'est sympa. C'est vachement cool. Et comme ça, après, je mets toute la map en smoke. Et on est bien. Et lui, boum. Sans les peurs à faire. Sinon, je vais les maps tireurs pour qu'il attaque le boss. Il y avait ça aussi. Il est vrai. Il est vrai. Donc là, j'ai une... Action est à la balle. Faut absolument que je fasse quelque chose et j'ai encore le feu sur ma gueule. Je suis encore dans le feu. Smoke bomb est jusqu'à la fin de la bataille. On peut le pousser dans l'eau. Oui. Sauf que là, moi, je vais prendre du dégât de feu. Donc, si je veux pas perdre mon unité et si je veux pas perdre lui qui a beaucoup de machin. De quoi? Non, c'est un boss. On peut pas le pousser dans l'eau? Pour de vrai? Parce qu'il est massif. Il est massif. Ah non. Mais ça va le prevent de... Il va pas pouvoir shooter. Techniquement. Donc c'est bien de le pousser dans l'eau. C'est bien de le pousser dans l'eau. Lui, il faut absolument qu'il se soigne. Ah, je suis emmerdé là. Je suis très emmerdé.
Alors attends, c'est le bordel parce que... Comment je vais faire ? Parce que si je me mets là, je pousse, l'autre il va le bouger, de toute façon il va attaquer toujours, donc ils vont être deux à attaquer ça. Mais je vais perdre qu'un, je vais en perdre qu'un parce que lui il va attaquer un truc vide. Donc c'est pas grave. À la limite, je peux me permettre de perdre un point de grid, un point de power, c'est pas très grave. On va dire ça. Comme ça, je vais pas en perdre deux. Voilà. Donc ça cancel l'attaque. Voilà. Moi, je me bouge. Et je me soigne. Parce que sinon, je vais prendre trop. Et en me soignant, ça m'enlève le feu et ça va du coup me... Ok, cool. Cool. Et lui, qui allait attaquer ce truc-là. Je me mets là et du coup je vais prendre 2 PV là. Ouais, quoi qu'il se passe en fait je me fais baiser quoi. C'est un peu de la merde. En fait il faudrait le pousser dedans. Bon bah. Il y avait sûrement moyen de mieux jouer et puis. Finalement non. C'est mystique. Eh bien écoute, j'ai envie de te dire, mouche-toi. Tape la fourmi sur le poulpe. Ouais. Elle va le pousser. Non, elle va pas le pousser. Elle va juste. Non, elle va pas. Elle va. Ça va pas. Ça va pas faire l'effet escompté. On smoke la fourmi. Mais c'est pas très grave. Soit je le pousse là et je la smoke. Soit de toute manière, j'accepte de prendre 2 points de dégâts. C'est pas grave. Je préfère la taper, qu'elle prend un dégât, que ça cancel. Et je verrai par la suite quoi. Tu vois, là, je peux rien faire d'autre. Bon, j'ai déjà fait mon tour. Resist damage, the chance of the weapon resisting damage is show to the right of the power meter. Quoi? Comment qu'est-ce que quoi? Où ça? Où c'était? Je ne l'ai pas vu. T'avais 15% de chance, c'était marqué où? Là, Grid Defense. J'avais 15% de chance et j'ai eu la. Et je l'ai eu? Can power when your power grid is full to upgrade its defense, d'accord. Ok. Ah bah. Je touche du bois, mon gars! Donc, on va bouger ça. Alors. Merde. Alors là c'est compliqué là. Parce que là je dois tuer ce truc quoi qu'il se passe. Si je veux empêcher bah, en fait de mourir finalement. Ah mais non pas de mourir parce qu'il va juste détruire ça mais c'est Donc là, j'accepte de prendre le feu. De toute manière, je vais prendre qu'un point de dégâts. Mais non, je vais reprendre un. Mais c'est... Ah non, mais c'est pas possible.
C'est vraiment... J'ai vraiment pas de cul, c'est pas possible. Pourquoi j'ai l'impression d'être en échec et mat tout le temps? Ça là, hop, oui, tu vas t'as dû mal à tuer les mobs parce que t'as jamais de créneau pour flinguer le poulpe. Ouais, il est vrai, donc t'arrives pas à achever les mobs et donc du coup les mobs tapent. Ouais, exactement, tu as tout tu as bien analysé la situation. Et donc du coup je prends encore un point de dégâts. Ouais. C'était pas simple hein. J'ai pris la max hein. Et donc là, Spend Reputation ou Leave Island. Voilà. Donc je peux acheter des trucs. Équiper, tout ça. Et missile barrage. Wouah, c'est ultra fumé. Fire missile barrage hit every enemy on the map. Ouais. C'est ultra fumé. Peut-être parce que les ennemis vont être plus forts après. Et ça, micro-artillerie, artillerie with potential, launch multiple, small projectile. Hein? Bonsoir, McFly. Bonsoir à toi. Un usage par combat. Use per battle, one. Ok. Je comprends pas en fait micro-artillerie, qu'est-ce que où est l'intérêt là? Parce que c'est ce que j'ai, non? Et c'est quoi réacteur core? Et ça grid power, repair damage, power grid. Ça coûte 1. C'est elle, pourquoi ça on dirait que je l'ai déjà? Parce que même j'ai un truc mieux. Artemis c'est mieux en fait que ce que j'ai. L'artillerie comme ça pousse celui qui est touché uniquement. Ah, d'où le micro artillerie. D'accord. Ok. Merci. Et ça, téléporteur. Swap place enemy. Ok, time. No matching, make class. Science class, ok, je l'ai pas. Et ça. Ah, ça me détruit aussi. Ouais, mais bon, c'est un peu con ça quand même, je vais pas me tuer. Ok. Ah, je peux soigner à l'infini. C'est... Enfin, je peux utiliser des points, d'accord. Ouais, bah ça, non. Ça avait l'air d'être cool, mais ça coûte 2. Faut un robot classe science, t'en as pas. Ah, mais c'est pas mal, quand même. Mais ça coûte 1. Et... Are you sure I want to send this pilot to the island? Non. Attends, quoi? Qu'est-ce quoi? Donate. Je peux donner? Donate weapon and pilots for reputation. Ok. Si je veux des trucs que je veux pas, ok. Je veux tout le monde. Oh, venez avec moi. Et du coup, ouais. Bah, ça, c'est quoi? Reactor. Are you to upgrade your mechs? Ouais. Et je vais en garder, peut-être.
base défense va prendre plus next plus 2. Ok. Tu peux vendre un pilote pour qu'il protège l'île. Oui, mais du coup tu te combats qu'à deux. Après il t'en redonne pas un, on est d'accord. J'imagine que celui-là va arriver après un coup de maître de là-bas. Et oui, en plus c'est arrivé après un coup de maître. Eh, est-ce que j'ai fini? Est-ce que ça me donne des étoiles si tu as trop de pilotes? D'accord, mais oui, mais t'as jamais trop de pilotes vu que t'as toujours 3, non? Non. Je me demande. Tu auras une IA à la place du pilote. Et c'est quoi? Et la différence, c'est que j'imagine les pilotes, c'est plus stylé d'en avoir un parce qu'ils gagnent de l'expérience. Ceux que tu as en plus de ton équipe de 3. D'accord. Ok. Ok, ok. Donc je fais ça et j'en garde une pour après. Allez. Your spent score will be lost if you leave now. Ah bah non. Du coup. Ah ben, One Island, you unlock RST Corporation. In future games, you will be able to visit Unlock Island in any order. Ok. Ok, maintenant je peux... d'accord. Pas de soucis. Et là, ah, là il disait les ennemis qu'il va avoir. Et leur leader. Ah, d'accord. Ok. Ok, ok. Et le CEO, l'environnement, comment il est? Complète 3, complète 2. Ok, super. Là, tu en as dans les pods où tu fais imperfect, tous les objectifs réussis et pas de ville détruite. Ok. Ok, ok. Allez, on se fait une dernière mission. Et puis après, on se laissera là. Et on va faire ça. Hop. Block Vex Spawning 3 times. Protect the power. Okay. Cool. Cool, cool, cool. Donc. 48 sur 50. Previous timelines. Ok, c'est ce qu'il a fait. Ça, c'est quoi ça? If damage turn into smokes, into smokes cannot. Ok, cool. Hop, hop, et on va mettre là. Ouais. Oula, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il va me sauter dessus? D'accord, ok, il saute là-dessus. Pas de soucis. Donc. Lui, il a que 2 points de vie. Faut que je les tue. Parce que c'est la dernière partie m'a bien montré que si je les tuais pas, je me faisais baiser tout le temps. Donc lui, je peux tirer là. Et c'est tout bon. Donc si je me place là. Que je fais ça, level up. One make move, ok, cool. Je peux me mettre là. Parce que. On est d'accord. Ça va le pousser. Hop, parfait. Merci pour le follow, Imouz. Merci beaucoup. Hop. Je peux mettre là. Ah mais je peux pas mettre là. C'est pas grave. Et j'attends. Ok. Alors on va faire ça. Ah c'est des... Non il tire, d'accord. Il saute pas, il tire. Avec ton artillerie. C'est vrai. Tu as raison. J'ai pas pensé à ça. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Dans ma tête, je me suis dit un côté, pas l'autre.
Du coup, j'ai pris un coup vu que j'ai bloqué, mais ça, je le savais. Je peux lui tirer dessus. Et comme ça, il va mourir. Ça doit être sûrement. Il doit donner. All over Vake will explode on death, dealing one damage. Oh putain, merde! Du coup, maintenant ils ont tous explosion. Ah merde, les enculés. Les enculés. Ah. Mais attends, si. Si je me mets là et que je tire dessus, lui il va rester là. Lui il va se pousser ici. Voilà. Et du coup il m'attaquera pas. Et lui, si je fais ça, du coup ça bloque. Et moi par contre je vais avoir un PV. Sauf si je me mets là et que je le pousse dans l'eau. Ah non, il va exploser. Donc non. Attends, on est d'accord que à l'explosion. Attends, qu'est-ce que c'est que son truc là? Ah non, c'est si je le pousse, il va exploser plus loin. Donc si je le tape. Si je le tape, il va exploser plus loin, voilà. Et comme l'autre il va se lever, du coup il va mourir. Parfait. Faut toujours regarder les petites images, super important. Donc moi je prends, lui il meurt. Donc moi, faudrait que je me soigne. Ce serait vachement bien. Mais ce qu'on peut faire, c'est prendre tous des dégâts. Tous ensemble. Voilà. Oui. Fais ça. Et on le met là. Hop. Et lui là. Mais du coup, il va avoir quand même deux ennemis. Ouais. Allez. C'est le dernier tour. Donc. Ah. Déjà ça m'emmerde. Parce que je peux pas me mettre. Pourquoi je peux pas me mettre de l'autre côté? Ah pourquoi? Et quoi, il m'a... Merde, putain. Donc là, si je veux le pousser, faut que d'abord lui, je le tape là. Ça va me pousser. Ça va le pousser. Le damage, ok, je peux mettre là, c'est pas très grave. C'est chiant. C'est chiant parce que j'aurais bien voulu me mettre là. T'aurais eu 4 moves, tu passais derrière. C'est vrai. Donc... Techniquement, c'est pas très grave. J'ai mon reset turn à la limite, c'est pas très grave. Je me mets là. Je fais ça.
ça le pousse. Oui, je le pousse. Et de toute manière, c'est terminé, donc c'est gagné. Salut Baros. C'est une OPSP. Non. C'est le nouveau jeu des mecs de FTL. Et là, techniquement, c'est gagné, on s'en fout. Le tour est terminé. Parfait! Et j'ai réussi les deux missions. Et ouais, mon gars. Et j'ai un nouveau mec move. C'est bizarre parce que... Parce que ma streamer, le fond ce soir, bah il vient de sortir aujourd'hui en fait. Bref! Du coup, je pense que nous, on va s'arrêter là, sur cette victoire et sur ce win kit. Et faisons une petite conclusion. Avant de quitter le stream, faisons une petite conclusion. Deuxième grog, Thanatos, fais gaffe, au bout d'un moment, tu vas vraiment devenir bourré. Donc, le jeu est cool. Il est moins compliqué que ce que je pensais, parce que quand j'ai vu Celdel jouer, il parlait beaucoup trop, et je me suis dit, ça a l'air d'être beaucoup trop dur. Enfin, beaucoup trop. Il réfléchissait beaucoup et je me suis dit, à cause de sa réflexion, j'ai l'impression que c'est encore plus dur. Il se prend pour Christine. Thanatos, fais attention! Au final, c'est moins compliqué que je ne le pensais. Au début, pour le début, hein, voilà. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer après, donc je ne peux pas dire. Donc voici ma vision du truc. C'est stylé, donc on recommencera à jouer parce que j'aime bien. Ça m'a pas laissé un petit goût. Enfin, la satisfaction de réussir une mission, elle est vraiment là. Et tu peux vraiment réussir en quelques tours si tu fais pas trop d'erreurs. Donc si tu veux, le taux d'erreur possible en vu le nombre de tours, vu que le nombre de tours est assez faible, eh bien le taux d'erreur peut être faible si vraiment tu réfléchis. Donc techniquement, ça veut dire que même pour quelqu'un comme moi qui ne lit pas, hein, car je n'ai pas lu, j'ai utilisé la lecture instantanée pour beaucoup de moments, eh bien, c'est possible de bien jouer. Voilà. Trop parlé, du coup, j'ai fait les deux premières îles sans prendre de dégâts. Exactement. Finalement, tu vois, t'as trop parlé, et le jeu, il en a eu marre, et il t'a laissé faire. Exactement. Du coup, voilà. La lecture instantanée. Ah, tu connais pas la lecture instantanée, mais je vous apprendrai un jour la lecture instantanée. C'est quelque chose que je maîtrise depuis de nombreuses années. Enfin, de nombreuses années, oui, depuis de nombreuses années. Jouer mieux, si, c'est possible de jouer mieux, mais voilà. Alors, Burnout Paradise Remaster. Alors, par contre, le Burnout Paradise Remaster, le Paradise, c'est pas celui que je préférais, mais je pense que je le testerai. Faut être très prudent, sinon, oui. Après, je ne suis pas très prudent, il faut l'avouer. Mais même sans être très prudent, j'ai réussi quand même à perfecter des missions tout en me prenant des coups, c'est pas très grave. Mais c'est plutôt cool. Ice Thread. Ah oui, parce que du coup, il y a un truc à gagner. Et voilà. Donc je le conseille, il est sorti aujourd'hui. Je vais en faire une VOD tout de suite là après le live. Il coûte 15€, mais vous pouvez le trouver à 12 sur GOG et on vous offre en plus FTL. Donc j'ai envie de te dire, mon ami, pourquoi pas quoi. Voilà. Et je crois que c'est tout. Je vais vous laisser la musique qui est sympa. Petite musique d'ambiance qui est agréable, loin d'être désagréable. Et c'est tout. Au revoir les gens. À demain. Passez une bonne fin de soirée. Et merci Celdel pour m'avoir aidé. Il y a encore des gens qui n'ont pas FTL. C'est ce qu'on se disait. Et apparemment, oui. Des bisous.